Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur ma chaîne avec une vidéo en collaboration avec Gold Series. Je suis super contente de vous retrouver. Alors, just sit back et c'est parti. Alors, ça fait quelques mois que j'utilise les produits de la collection, puis j'avoue que je suis une grande fan. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'aller à Cincinnati avec Gold Series dans leurs locaux, dans les laboratoires, pour voir, pour rencontrer l'équipe de scientifiques qui est en arrière de la création de toute la gamme en fait. Donc c'était vraiment une super belle opportunité pour moi. Juste pour que vous sachiez, c'est une équipe de scientifiques noirs, donc ce sont des personnes qui ont vraiment fait des recherches sur nos types de cheveux, que ce soit des cheveux défrisés, en transition ou des cheveux naturels comme les miens. Donc des recherches poussées pour savoir un peu c'est de quoi qu'on a besoin en tant que femme noire ou afro-américaine. Donc on parle ici d'hydratation, de brillance, de cheveux soyeux, de cheveux qui sont forts. Je suis donc vraiment contente de partager avec vous ma routine de soins avec Gold Series. Donc on y va sans tarder. Avant de commencer, je veux juste mentionner que les produits de la collection sont sans sulfate, sans parabènes et sont infusés d'huile d'argan. Donc on va chercher beaucoup d'hydratation quand on utilise ces produits-là. Les cheveux sont tout le temps propres, soyeux, brillants et vraiment en forme après chaque utilisation. Habituellement, je commence ma routine sous la douche avec le shampoing sans sulfate qui est infusé d'huile d'argan. Ce shampoing vient vraiment nettoyer en douceur et hydrate. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ne sont pas secs, ça ne tire pas. Je peux même déjà commencer à les manipuler avec le doigt si je veux à cette étape, quoique j'attends le démêlant. Après le shampoing, on passe au revitalisant hydratation amplifié. Comme le nom le dit, ce revitalisant va venir hydrater et m'aider à démêler mes cheveux avec les doigts. Alors je commence toujours avec les doigts pour finir plus tard avec un peigne pour justement ne pas agresser mon cheveu. À cette étape, ce que j'aime faire aussi, c'est de mettre un chapeau de bain et de rester sous la douche, ce qui va venir vraiment accentuer l'hydratation. Donc ça va être comme un traitement en fait. Ensuite, je vais utiliser le lait démêlant sans rinçage. Ce lait va venir adoucir mes boucles et m'aider à démêler. Comme vous pouvez le voir, je peux démêler avec mes doigts ou avec un pinceau si vous le voulez. J'ai décidé de me faire comme coiffure des bantous not out. Alors, la prochaine étape va inclure la crème au beurre hydratante. Franchement, c'est un de mes produits favoris de la gamme avec le lait démêlant sans rinçage. Alors, cette crème va adoucir le cheveu et dompter les frisottis également et va procurer une hydratation de 72 heures. Avant de faire mes bantous not, je vais venir utiliser l'huile hydratante intense. Cette huile va procurer de la résistance et de l'éclat à mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux vont être super brillants après. Le secret des bantous not out réussi, c'est de les laisser sécher complètement. Ça va aider à faire de belles boucles. C'est maintenant le temps de défaire mes bantous not et vous allez le voir, je vais encore utiliser l'huile hydratante intense pour venir vraiment accentuer la brillance de mes cheveux. Et voilà le résultat que j'adore, franchement. Ça fait une super belle coiffure. Mes cheveux sont hydratés, doux et brillants. Voilà, c'est tout pour cette vidéo en collaboration avec Gold Series. J'espère que vous avez aimé. J'ai essayé de vous donner le plus de détails possible sur comment est-ce que ces produits agissent sur mes cheveux qui sont naturels. Alors, c'est une gamme qui est vraiment faite pour des cheveux naturels, mais aussi pour des cheveux défrisés ou en transition. Alors, c'est une gamme que je recommande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puis, j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.